manchot, comparatif GPS Garmin Montana 680T vs Montana 750i. Ce sont deux GPS qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la configuration des GPS, nous allons faire un comparatif assez rapide de ces deux GPS. Alors, la première chose que nous pouvons regarder, c'est la forme des GPS. Ils sont assez volumineux. Le GPS est équipé d'un appareil photo, comme l'autre GPS. À l'arrière se trouve une batterie amovible qu'il est possible de changer. La caractéristique de ce modèle, c'est qu'on peut y mettre des piles. Vous pouvez remplacer la batterie qui se trouve ici et mettre des piles à l'intérieur. Sous cette batterie se trouve un support pour une carte micro SD pour pouvoir rajouter une extension sur ce GPS. Sur la droite se trouve le GPS 750i qui est beaucoup plus volumineux comme vous pouvez le constater. À l'arrière, il est équipé aussi d'un appareil photo et d'une petite lampe torche à LED. Il est équipé aussi d'une batterie amovible comme vous pouvez le voir ici. Mais sur ce modèle, on ne peut pas mettre de piles. C'est soit une batterie ou rien du tout. Si vous voulez rajouter un peu d'autonomie, il faudra acheter une batterie supplémentaire. À l'arrière, il est équipé aussi d'une carte micro SD que vous pouvez rajouter pour ajouter une extension et rajouter des cartes supplémentaires sur votre GPS. Pour que ce comparatif soit complet, j'ai amené ma balance et nous allons donc faire un comparatif au niveau du poids de ces GPS. Alors pour info, j'ai regardé sur le site de Garmin, mais il y a quelques petites différences. Donc nous allons voir un petit peu ce que nous allons trouver ici. Alors comme j'ai déplacé la balance, on n'aura peut-être pas exactement les mêmes résultats. Hein, mais les résultats que j'ai trouvés à la maison, c'était 297 grammes. Là, nous sommes à 287 grammes. Ensuite, pour le GPS 750i, je suis aux alentours de 423 grammes. Et là, je suis aux alentours de 410 grammes. La différence entre ces deux GPS est de 126 grammes en général. Ensuite, pour les mesures, j'ai amené mon mètre et nous allons faire un comparatif au niveau de la largeur. Alors, avec la caméra, ce n'est pas évident de vous montrer la mesure exacte, mais je vous donne les mesures que j'ai trouvées. Pour la largeur du Garmin 680T, je suis sur une largeur de 7,5 cm. Alors que la largeur du GPS qui se trouve ici, c'est le 750i, je suis sur une largeur de 9 cm. Ensuite, pour la longueur. La longueur du GPS 680T est de 14,5 cm. Alors que pour la longueur du GPS Garmin 750i, je suis plutôt sur une longueur de 18,3 cm. Alors avec la caméra, c'est un peu trompeur, mais ça fait 18,3 cm. Alors la différence que j'ai trouvée avec le site de Garmin, c'est au niveau de l'épaisseur. L'épaisseur du 680T est de 3,5 cm. Et moi, je dois avoir un modèle collector pour les GPS 750i, car si je mesure l'épaisseur du GPS, je suis sur une épaisseur de 2,28 mm, alors que sur le site de Garmin officiel, je suis sur une épaisseur de 3,27 mm. Je pense que sur le site de Garmin, il doit y avoir une erreur. L'épaisseur, comme vous pouvez le voir, ne dépasse pas 3 cm. Là, vous pouvez le voir sur la gauche, je suis au ras du mètre. Et sur la droite, je suis plutôt sur une épaisseur de 2,28 mm. Pour cette vidéo, nous nous retrouvons dans la prairie des Gorets. C'est une prairie qui se trouve en basse ville. Vous voyez un très beau jardin. C'est le jardin public des Gorets. Ce matin, nous avons un beau soleil et nous nous trouvons au bord de la rivière Ellé. Et là en face, nous avons un tout petit bras de rivière qui va rejoindre la rivière Isole qui se trouve à une distance de 300 mètres environ. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Il a fait un peu frais ce matin. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour vous présenter la différence entre ces deux GPS. Tout près du jardin public des Gorets, nous avons le café-restaurant qui s'appelle Tipus.
Nous allons maintenant faire un comparatif de démarrage des deux GPS. Pour cela, je vais les allumer en même temps et nous allons voir la rapidité de démarrage des GPS. Alors attention, c'est parti. J'ai allumé les deux GPS et comme vous allez le voir, le 750i est beaucoup plus rapide. C'est un démarrage en moins de 15 secondes. Le GPS Montana 680T est beaucoup plus lent. Il est beaucoup plus lent aussi pour enregistrer des fichiers. C'est beaucoup plus lent au niveau du fonctionnement. Et le démarrage se fait plutôt en 25 secondes. Donc c'est assez long pour le démarrage du 680T. Ensuite, nous nous retrouvons à peu près avec la même configuration. Ici, je suis sur la carte et j'ai installé les deux cartes identiques. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans la prairie qui se trouve ici. Et là, j'ai un jeu pour enfants. Hop là, c'est le jardin public d'Aigoret, comme vous pouvez le voir. Et là, j'ai des jeux pour enfants, dont j'aurai les mêmes symboliques sur les deux GPS. Là, j'ai le petit plus pour zoomer. Je peux zoomer sur l'écran. Et là, c'est pareil, je peux zoomer sur l'écran et dézoomer avec le petit plus et le petit moins qui se trouve ici. Alors, les jeux GPS ont à peu près les mêmes configurations. Mais nous avons quelques petites différences entre ces deux GPS. Ce que nous allons constater tout de suite, c'est si je vais dans la configuration des deux GPS, hop, là j'ai un menu avec un accès direct. Là je peux configurer et là je vais aller dans système. Et la grosse différence entre ces deux GPS, c'est au niveau des satellites. Là sur la gauche, je vais pouvoir utiliser le GPS américain. Le GPS américain. Et je peux choisir aussi le GPS GLONASS, qui est le GPS des Russes. Donc, soit j'utilise le GPS américain, ou soit je configure les deux GPS, le GPS GLONASS plus le GPS américain. Et sur la droite, c'est là la différence. Là, je vais plutôt utiliser le GPS européen, le GPS Galileo. Là, si je clique sur GPS, je vais pouvoir utiliser les deux GPS, le GPS américain et le GPS Galileo. Ensuite, si je reviens en arrière, dans les menus, là, j'ai un accès au satellite. Et là, je reviens sur la carte ici. J'ai un accès au satellite. C'est parti pour le satellite. Mais comme vous pouvez le voir sur la gauche, là, j'ai les GPS américains qui se trouvent en haut et les GPS GLONASS qui se trouvent en bas. Sur la droite, j'ai un petit peu de mal à capter les GPS Galileo. Donc, je fonctionne généralement qu'avec le système GPS. Ça consomme beaucoup moins de batterie. Mais même quand j'utilisais ce GPS ici, j'utilisais que le GPS américain. Je n'activais pas le GPS GLONASS. De toute façon, en général, c'est suffisant. J'ai une précision à 3 mètres qui se trouve ici. Ici, comme vous pouvez le voir, là j'ai une précision à 10 mètres. Mais de toute façon, je ne trouve pas beaucoup de satellites Galileo. Le maximum qu'il trouve de GPS Galileo, c'est 3 en général. Donc, pour économiser la batterie, je n'active pas les GPS au niveau du système. Je reste sur le GPS classique, le GPS américain. Donc ici, je mets GPS et ça consommera beaucoup moins de batterie. Là, c'est pareil. Et généralement, il me trouve tout le temps lorsque je suis en randonnée. Alors, comme vous pouvez le voir, les deux GPS sont à peu près identiques au niveau de la configuration et des menus. Il y a une présentation légèrement différente, mais vous allez retrouver le même système. La différence avec le GPS qui se trouve à droite, c'est que j'ai des accès directement qui se trouvent tout en bas ici, pour aller directement dans la configuration. Ici, une fois que je suis sur la carte, comme vous le voyez ici, je n'ai pas de menu pour avoir des accès directs. Ici, je peux consulter directement la boussole, ma rando, lorsque j'effectue la rando, j'ai la moyenne de déplacement, le temps d'arrêt, les heures. Ensuite, je peux avoir aussi le profil d'altitude directement ici, dans les raccourcis. Alors le menu qui se trouve en bas, ce sont des favoris que je peux configurer directement et choisir les menus que je vais choisir. Ensuite, comme vous le voyez, là je suis revenu sur le GPS classique et c'est celui-là qui fonctionne le mieux. La précision en général est de 3 mètres. On n'arrive pas à aller au-delà de 3 mètres sur ce type de GPS. Ensuite, pour enregistrer les traces GPX, ici je vais avoir une différence. Ici, je vais faire tracé actuel et je vais pouvoir enregistrer mes données avec la disquette qui se trouve ici. Alors, le temps d'enregistrement sur le GPS Montana 680T est assez long. Donc, il y a quelques secondes où le GPS ne sera plus disponible.
C'est comme quand vous allez effacer des fichiers qui se trouvent à l'inférieur. Le temps d'effacer les fichiers sera assez long et ne sera pas disponible à l'utilisation. La grosse différence avec le GPS qui se trouve à droite, c'est sa rapidité. Là, je vais pouvoir enregistrer facilement mes randonnées, pareil avec la disquette qui se trouve ici, mais il est beaucoup plus rapide à l'utilisation. Il sera donc disponible assez rapidement. Et c'est pareil, pour effacer les fichiers, il est beaucoup plus rapide. Hop, effacer les fichiers. Je peux revenir en arrière, il est tout de suite disponible. Là, si je vais sur le tracé actuel, je fais effacer le fichier, clear. Et souvent, j'ai un petit peu de mal à revenir en arrière parce que le système est en train d'effacer le fichier, ce qui prend parfois du temps. Ensuite, la grosse différence que vous avez entre ces deux GPS, bien sûr, c'est l'affichage. Sur la gauche, nous avons un écran avec un affichage de 4 pouces et sur la droite, nous avons un plus grand affichage avec un affichage de 5 pouces. Alors bien sûr, cela va jouer sur l'autonomie de la batterie. Sur la gauche, j'ai une plus grosse autonomie au niveau du système. Je l'ai utilisé pendant quelques années, ce GPS, le 680T de chez Montana. Et je peux tenir largement la journée avec ce GPS. Et j'ai encore de l'autonomie assez large sur ce modèle. Ce modèle-ci, je ne l'ai pas depuis très longtemps, mais j'ai pu un peu comparer l'autonomie du système. Et je peux dire qu'il est un petit peu moins performant. Alors, il est annoncé une autonomie de 18 heures sur le site de Garmin. Alors, 18 heures, vous allez pouvoir utiliser, bien sûr, l'autonomie du 18 heures, mais pour cela, il faudra laisser le GPS dans votre sac à dos. Mais si vous utilisez le GPS pour consulter la carte de temps en temps et faire des interactions avec le GPS, la taille de l'affichage va faire qu'il va consommer un petit peu de batterie. Donc, au niveau de l'autonomie, ça va un petit peu diminuer. Alors, il est facile d'utilisation. Vous allez pouvoir régler l'éclairage directement ici pour l'affichage. Alors, ce modèle est un petit peu plus évolué. Comme vous pouvez le voir à gauche ici, vous avez le Wi-Fi, vous avez le Bluetooth qui est configurable. Vous avez un accès direct à l'appareil photo. Alors, sur la gauche ici, vous avez la lampe torche. C'est un petit projecteur qui se trouve à l'arrière. C'est la petite LED qui se trouve ici. Comme vous le voyez, là, elle est allumée. Alors bien sûr, tout ça, ça va tirer sur la batterie. Faites attention. Alors l'autonomie sur une journée, j'ai vu que je pouvais consommer jusqu'à 50% de la batterie. Donc il faudra essayer de partir en randonnée avec le plein à 100% pour éviter d'avoir des ennuis sur ce modèle. Sur ce modèle, la batterie, il faudra faire très attention, surtout que vous ne pouvez pas mettre de pile à l'intérieur. Alors ce modèle est beaucoup plus économique en énergie. La taille de l'affichage, bien sûr, fait beaucoup partie de la consommation. Mais avec ce modèle, vous pouvez partir largement en randonnée. Il n'y a pas de souci avec ce modèle. Je ne suis jamais tombé en rade de batterie sur ce modèle. Même en partant sur des randonnées très très longues, je n'ai jamais eu de souci avec ce modèle. Avec celui-ci, j'ai un petit peu moins confiance au niveau de l'autonomie. Il faudra bien que je surveille de partir avec une autonomie à 100% lors d'une randonnée pour être sûr de partir l'esprit tranquille. Alors, l'affichage du modèle 680T est assez clair et visible. Vous n'aurez pas de soucis au niveau de l'affichage, même en pleine lumière. Vous pouvez régler l'affichage, bien sûr, pour ne pas être trop consommateur en énergie. Vous appuyez sur le bouton ici et vous allez avoir le menu de réglage du rétroéclairage qui se trouve ici. Et pour économiser un peu en énergie, vous pouvez diminuer l'éclairage, suivant la luminosité. Alors là, c'est pas évident à vous montrer avec l'appareil photo. Qui prend cette vidéo, mais il est très lisible. Alors il est facile d'utilisation, même s'il est un peu plus simple que l'autre modèle. Les menus ici, c'est vous qui allez pouvoir les configurer. Tous ces menus sont configurables et vous avez l'utilisation de plusieurs profils. Hop, là vous avez changement de profil. Donc sur ce modèle, j'utilise trois profils. Le modèle rando pour la randonnée, le modèle automobile lorsque je suis en voiture et le modèle vélo lorsque je fais des randos à vélo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les deux modèles, entre le modèle 680 et le modèle 750i, ce n'est pas le même support pour le vélo. Il faudra donc acheter un autre modèle, car l'épaisseur des GPS n'est pas les mêmes, ni la largeur. Donc, il faudra prévoir l'investissement d'un autre support pour le vélo. Alors, au niveau des profils, là, je suis actuellement en profil rando. Et chaque profil a une configuration indépendante. Vous pouvez configurer votre GPS totalement indépendamment entre chaque modèle. Au niveau de l'affichage, des GPS, tout est configurable et indépendant entre les profils.
Là, j'ai un petit raccourci pour mettre où aller, le changement de profil, le profil d'altitude, pour avoir le profil d'altitude de la randonnée que nous avons effectuée ou que nous allons réaliser. Et là, je vois si j'ai le captage des satellites. Alors, le menu, je l'ai configuré. Il est totalement différent pour le modèle que j'utilise au niveau de l'automobile. Ce n'est pas les mêmes besoins que j'ai quand je suis dans la voiture et quand je suis en randonnée. Comme vous pouvez le voir ici, sur le 750i, l'affichage est beaucoup plus grand. Et l'avantage de ce GPS, c'est que nous avons des raccourcis tout en bas pour avoir des accès directs. Les raccourcis que j'ai configurés ici sont totalement indépendants entre les différents profils. Ici, j'ai un autre profil, j'ai différents profils aussi qui sont utilisés, et là, c'est pareil. J'ai le profil randonnée, j'ai le profil VTT et le profil conduite. Le profil conduite, je l'ai configuré pour la voiture. Là, je suis sur le profil conduite. Et là, comme vous le voyez en bas, les menus sont totalement différents. Alors souvent pour la conduite, j'ai besoin de savoir où se trouvent les stations essence. Et à ce moment-là, je lance directement le menu qui se trouve ici. Et là, si je veux aller dans une station Leclerc, je peux la choisir directement ici. Et il va m'envoyer directement à la station Leclerc le plus près. Donc ça, c'est l'utilisation que j'ai au niveau de la voiture. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les configurations des profils et des cartes est totalement différent entre les modèles. Donc là, je suis actuellement en randonnée. Hop, je choisis le modèle randonnée. Alors, comme vous pouvez le voir sur la droite, j'ai un petit cache amovible qui est présent ici sur ce modèle. C'est un modèle, mais il va falloir prendre un abonnement pour pouvoir activer cette option et pour pouvoir lancer un SOS. Alors attention, c'est un SOS qui va être lancé, donc ne pas l'utiliser comme gadget. C'est une option, mais qui est payante. Et à ce moment-là, les secours vont pouvoir vous retrouver facilement grâce à cette option. Mais c'est bien signalé sur la notice, ce n'est pas un gadget. Si vous prenez l'abonnement, il ne faudra pas appuyer sur ce bouton juste pour faire plaisir. Voilà pour ce petit comparatif entre ces deux GPS. Ce n'est pas évident de vous montrer la différence d'affichage entre les deux écrans avec un smartphone. Ce n'est pas toujours évident de voir la différence. Mais la lecture est assez claire sur les deux GPS. Alors sur l'écran de gauche qui se trouve ici, je n'ai pas mis de protection mécanique sur l'écran. Donc il le semble un petit peu plus lumineux. L'affichage est légèrement différent. On a une belle luminosité sur cet écran. Et l'affichage des routes est un petit peu plus lisible. Il faut savoir qu'ici, comme l'écran a une meilleure définition et comme il est beaucoup plus net à l'écran, les traces et les pistes sont beaucoup plus fines. Donc il faudra bien s'appliquer à regarder les traces qui sont présentes à l'écran, mais l'écran reste très lumineux. Mais ce n'est pas évident de vous le montrer comme ça avec un smartphone. Mais lorsque je veux lire la carte, je n'ai pas de souci à l'affichage. Ici, j'ai mis une protection mécanique, comme sur les smartphones, au niveau de l'affichage, pour ne pas rayer l'écran qui est à fleur ici au niveau du GPS. Là, ici, l'écran est un petit peu à l'intérieur. Il y a un petit rebord qui se trouve ici. Le petit rebord permet de mieux protéger l'écran qui se trouve ici. Ici, je n'ai pas mis de protection mécanique comme sur les smartphones. Alors je vais profiter de cette vidéo pour faire une mise à jour au niveau du parc des Gorets, car nous avons des jeux qui ont été rajoutés sur cet espace public. Un très beau jardin qui a été réaménagé. Et pour cela, je vais utiliser mon GPS et je vais prendre des photos. Alors j'ai mis un raccourci ici dans le menu des favoris, ce qui me permet de prendre des photos avec mon GPS. Alors ce n'est pas évident de vous le montrer à l'écran, mais là on le voit, j'ai la table de pique-nique qui se trouve ici. Alors pour cela, je vais appuyer sur l'appareil photo et la prise de photo est instantanée. J'ai la prise de photo qui est assez rapide avec ce modèle, le 750i. Et si je fais une petite différence avec le modèle qui se trouve ici, le modèle 680T, alors là aussi j'ai un appareil photo. Alors ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir beaucoup de pixels, les deux appareils sont réglés sur du 2 millions de pixels. Hop là! Et là, comme on peut le constater, lorsque je vais prendre les photos, il y a un petit temps de réaction. Alors là, j'appuie sur la photo. Et là, comme vous le voyez, j'ai au moins 1 à 2 secondes de réaction. L'appareil photo est un peu plus long pour prendre les photos sur ce modèle. Généralement, il faut que je laisse l'appareil quelques secondes en position pour avoir la photo. Ensuite, ce qui m'intéresse au niveau de la photo, c'est juste avoir le point satellite. Donc, je n'ai pas besoin de qualité photo. C'est juste la précision au niveau des points satellites.
Mise à jour de la prairie d'Égoret. Pour cela, je vais utiliser le logiciel JOSM et je vais faire fichier et je vais télécharger la trace GPX que j'ai fait sur place. Pour cela, je l'ai tagué prairie ici. Je fais ouvrir et là j'ai une trace GPX. La trace GPX se trouve ici. Je peux changer la couleur de la trace GPX. Je fais un clic droit et je vais changer la couleur et la mettre en rouge pour pouvoir la différencier des autres traces qui seront présentes à l'écran. Ensuite, je vais télécharger la carte OpenStreetMap. Là, je vais télécharger la zone qui m'intéresse. Je la sélectionne. Ici, je vais cocher « Données GPS » pour avoir les traces GPX qui sont présentes sur le site. Ensuite, je fais « Télécharger ». Là, je me retrouve avec la carte OpenStreetMap qui est présente sur Internet. Et comme nous allons le voir, je vais faire la table qui se trouve ici. C'est là que nous nous trouvions pour faire notre démonstration des GPS. Je vais télécharger les photos que j'ai prises sur place. Pour cela, je fais un clic droit sur la trace GPX qui se trouve ici. Un clic droit et je fais importer des images. Les images, c'est celles que j'ai prises et qui se trouvent dans ce dossier ici. Je fais ouvrir. Toutes les images que j'ai prises sont présentes à l'écran. Là, je déplace l'écran et je me zoome sur la zone qui nous intéresse. Là, nous nous trouvons sur la prairie d'Égoret. Et l'endroit où nous avons pris les photos se trouve ici. La table de pique-nique se trouve ici. Vous voyez, la table est ici. Donc, elle n'est pas présente à l'écran. Pour cela, je vais utiliser « Dessiner des nœuds » qui se trouve ici. Je vais le pointer sur la carte, à l'endroit où j'ai pris la photo. Et je vais utiliser le tag qui se trouve ici en raccourci. Utiliser l'attribut « Table de pique-nique ». Et voilà, tout simplement. Et je fais « Appliquer l'attribut ». La table de pique-nique a été rajoutée. Je fais « Échappe » pour récupérer ma souris. Et comme nous allons le voir, nous allons faire le tour des photos que j'ai prises sur place. Là, j'ai pris une photo et ça correspond à la poubelle qui se trouve ici. Là, elle est déjà présente sur la carte. Ici, j'ai une autre table de pique-nique qui était présente. J'ai un banc qui était présent. Et nous allons faire le tour des photos supplémentaires. Ici, c'est le jeu qui se trouve sur l'Égoret. C'est un espace Leisure Pleasure Ground. Alors, on peut ajouter le nom de la structure. Moi, c'est ce que je rajoute généralement. Et je vais marquer « Jeu pour enfants ». Et je valide. Ensuite, j'ai pris des photos supplémentaires. Avec la photo qui se trouve ici, nous allons regarder le tag qui est présent. Ici, il y a un banc. Le banc est présent sur l'écran, donc pas de souci. Et nous avons la table de pique-nique qui se trouve en arrière-plan. La table de pique-nique est bien présente en arrière-plan. Une autre photo que j'ai prise sur place. Ici, il y a un jeu supplémentaire qui a été rajouté sur la prairie. Donc, je peux faire un copier-coller. CTRL-C et CTRL-V. Il y a un deuxième jeu pour enfants qui se trouve ici. D'autres photos ont été prises sur la prairie. Ici, c'est une poubelle qui se trouve. Donc, je peux faire un copier-coller. Je prends la poubelle qui se trouve ici, CTRL-C, et je vais l'envoyer ici, CTRL-V. Une autre photo que j'ai prise ici, c'est la table de pique-nique qui est présente à l'écran. Je peux l'ajuster en fonction de la prise de vue. Ensuite, une autre photo que j'ai prise ici. Là, ce sont des agrès qui ont été installés récemment. Ce sont des agrès pour faire des exercices, donc ce ne sont pas des jeux pour enfants. Pour cela, j'ai un autre pré-réglage qui se trouve ici dans les raccourcis. Je vais aller le chercher, équipement pour les loisirs. Et dans les loisirs, je vais avoir quelque chose qui correspond. Équipement d'aire de jeu. Là, dans la liste, je vais pouvoir mettre le type d'équipement. Dans la liste, je vais pouvoir mettre, si c'est un abri pour enfants, des araignées à grimper. Et dans la liste, j'ai trouvé ce qui m'intéresse. Ce sont des agrès pour faire des exercices. Hop, exercice. Je peux mettre le nom. Je vais mettre musculation. Il n'y a pas d'éplastant, il n'y a pas d'horaire, accessible au fauteuil roulant. Là, ça va être un petit peu difficile car dans la prairie, il n'y a pas de chemin d'aménager. Et je fais appliquer les attributs. Voilà pour l'exercice de musculation et ainsi de suite. Je vais faire le tour des photos que j'ai prises. Ici, une autre photo que j'ai prise au niveau de l'escalier. Cela me permet de compter les marches qui sont présentes ici.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 marches. Si je clique sur les marches qui se trouvent ici, je vois que ça a été mis à jour. Un step compte 9 marches. Donc pas de souci. Là, j'ai la poubelle qui se trouve ici et qui se trouve de l'autre côté au niveau des marches, parce qu'il y a eu un petit peu de réaménagement sur la prairie. Maintenant, nous allons constater la trace GPX que j'ai prise. La trace GPX se trouve ici en rouge. Ça, ce sont d'autres traces GPX qui ont été envoyées par d'autres internautes. La trace GPX qui se trouve ici, je vais moi aussi l'envoyer sur Internet. Pour cela, je sélectionne la trace qui se trouve ici. Hop, prairie, prairie.gpx. Et ici, j'ai un raccourci qui me permet d'envoyer la trace. Envoyer les traces. Là, je vais envoyer les informations pour les attributs. Là, je vais mettre Bretagne, Finistère, une virgule à chaque fois. Et là, je vais mettre Quimperlé. Je mets une virgule. Je mets la description qui est la prairie. Et ici, je vais mettre que ma trace est identifiable. Comme ça, tout le monde pourra l'utiliser pour la voir sur la carte identifiable affichée dans la liste des traces comme identifiable. Hop, et je fais envoyer, fermer. Maintenant que j'ai envoyé la trace sur Internet, elle sera utilisable par les autres internautes, comme les traces que vous voyez ici en rose. Maintenant, je vais tracer le chemin. Pour cela, je fais échappe. Je prends le chemin qui départ ici. Et ensuite, il va suivre la trace GPX que j'ai tracée. Pour cela, il va aller jusqu'à la prairie qui se trouve ici. Ensuite, je le définis ici comme chemin. Hop, chemin. Pour le revêtement, je peux appliquer le revêtement qui est compact. Et je fais appliquer les attributs. Et voilà, le chemin sera maintenant présent et affiché sur les cartes OpenStreetMap. Voilà comment rapidement participer au développement des cartes OpenStreetMap. Maintenant, je vais pouvoir envoyer les données sur Internet et pour cela, je fais envoyer les données. Je vais ajouter des commentaires hein, pour que tout le monde sache qu'est-ce que j'ai rajouté sur cette carte OpenStreetMap. C'est la prairie des Gorées et je vais mettre mise à jour. Ensuite, il faut préciser la source de données pour ces modifications. Comme j'ai utilisé mon GPS pour ces données, je vais mettre GPS 750i. Et voilà, je fais la mise à jour et je fais envoyer les données. Dans quelques minutes, les données seront présentes sur Internet et tout le monde pourra les utiliser sur la carte OpenStreetMap. Prise en main des GPS. Comme vous pouvez le voir, ma main fait environ 18 cm, du bout des doigts jusqu'au fond de la paume de la main. Je vais prendre le GPS qui se trouve à gauche, ici, le 680T. Je le cale dans la paume de ma main. Et comme vous pouvez le voir à droite, les doigts dépassent assez facilement du GPS. Je peux le caler assez facilement. Il tient bien dans la main. Ensuite, je peux utiliser ce GPS avec une seule main. Le doigt peut aller tout en haut à droite. Il peut aussi aller facilement tout en bas à droite, tout en haut à gauche et tout en bas à gauche. Je peux utiliser ce GPS d'une seule main. Si je le compare avec le GPS Montana 750i, là, la prise en main est un peu différente. Je le cale à la paume de ma main et comme vous le pouvez le voir à droite, les doigts ne dépassent pas énormément de l'écran. Ils sont juste à fleur. Ensuite, si je veux l'utiliser d'une seule main, ça va être un petit peu plus difficile. Là, tout en haut à droite, il va falloir faire un petit peu de gymnastique. Et je ne peux pas aller tout en bas à droite aussi facilement. Il va falloir déplacer le GPS pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, tout en haut à gauche, ça va être un petit peu difficile aussi. Et tout en bas à gauche, c'est un petit peu plus difficile. Pour ce GPS, il faudra plutôt l'utiliser à deux mains. Ça sera beaucoup plus facile d'utilisation, suivant bien sûr la taille de votre paume de main. Ensuite, pour la définition d'image. Comme nous le voyons ici, la définition d'image du GPS 680T est un petit peu plus grossier. Mais ceci est un avantage. Comme vous le voyez à l'écran, on voit assez facilement les chemins et les bancs. Alors, ceci est un exemple. Mais de temps en temps, suivant l'endroit où vous allez vous trouver, vous allez avoir un petit peu de mal à retrouver les chemins, qui ne sont pas faciles à distinguer. Sauf sur ce GPS, car l'affichage est un petit peu plus grossier. Alors, nous allons faire une petite différence avec l'autre GPS. Et là, l'affichage est beaucoup plus précis. Le problème de cet affichage beaucoup plus précis, c'est que la définition d'image est beaucoup plus fine.
et il est beaucoup plus difficile de retrouver les chemins sur cette carte. Alors, il va falloir que je trouve une solution pour améliorer cette situation. Les bancs ne sont pas très visibles, hein, ils sont très petits. Alors, tout ça, c'est un problème d'affichage et de définition d'écran. Si je fais une comparaison avec un ordinateur, si votre affichage est en 1080 sur votre ordinateur et qu'il est capable d'afficher du 4K et que vous lancez un affichage 4K, l'affichage sera beaucoup plus précis, mais les icônes qui seront présentes à l'écran seront beaucoup plus petites. Et c'est un peu le même principe qui se passe ici. L'affichage est beaucoup plus précis à droite, mais l'affichage se retrouve avec une meilleure définition et des traits beaucoup plus fins, ce qui n'est pas toujours facile pour la lisibilité. Allez, on vous dit kenavo et à bientôt!